Maman. Oui, Jeannot. Dis, pourquoi on va chez grand-mère? Je t'ai déjà dit. On va lui rendre visite. Pourquoi elle ne vient pas chez nous? Elle est venue au début du printemps. C'est parce que je suis sûre que tu seras content d'être à la plantation. Est-ce qu'il n'est pas fâché? Mais non, tu déraisonnes, Jeannot. Où as-tu pris cette idée ridicule? Oh, Tom Jeanne dit qu'elle est vraiment fâchée. Et qu'elle est fâchée surtout contre papa parce qu'il écrit dans un journal. Grand-mère lit donc pas les journaux? Oh, si. Et elle adore les lire. Georges, voyons. Êtes-vous fâchés l'un contre l'autre aussi? Mais non, chérie. Que vas-tu chercher? Oh, doux Jésus, Jeannot, on va tout y suis arrivé. Il n'y a pas des grenouilles qui crient autant que si là, à Atlanta. Tu sais ce qu'elles disent? Gnédip, Gnédip. Tu crois? Parole d'honneur. Gnédip, Gnédip. Je me rappelle quand j'avais ton âge, c'était une grande joie d'en attraper. Je me souviens une fois, j'avais mis une boîte pleine de grenouilles dans la lingerie de ta grand-mère et elles se sont toutes échappées. Oui, et moi je me rappelle la fessée que vous avez reçue. C'était le vieil oncle Rémus le fautif, tu sais. Il nous avait dit l'histoire du brochet et de la petite grenouille. L'histoire qui raconte comment la grenouille a perdu sa queue. C'est ça. Et alors? Et alors la malheureuse n'a plus du tout de queue. Tante Sophie. Mon petit. Cet oncle Rémus, tu le connais? Oh oui, j'y le connais très bien. Tu vas les voir et tu raconteras les belles histoires de Monsieur Lapin. Tu seras souvent avec lui.